Bonjour, nous sommes le 12 avril, vendredi 12 avril 2024. Avec une météo qui semble, bon, il fait pas froid, il fait pas froid du tout. Les températures commencent à s'élever. Ils disent même que demain, on aura une élévation de température qui va durer peut-être le week-end. Et puis après, bon, en tout cas, mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai que le ciel est un petit peu chargé. En tout cas, bon, c'est bien pour faire du sport. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ici, je vais voir. La gamme de sol bémol majeur. Alors j'ai vu dans les bien sûr si je fais une révision de ce qui a été fait auparavant donc j'ai vu tout d'abord dans les tons diésés j'ai vu la gamme de do majeur qui contient 0 dièse. Ensuite j'ai vu sol majeur, ré majeur, la majeur, mi majeur, mi majeur. Si majeur et Fa dièse majeur. Et Do dièse majeur. Celui-ci contient un dièse, deux dièses, trois dièses, quatre dièses, cinq dièses et 6 dièses et 7 dièses. En ton bémolisé, bon, j'ai vu le Fa majeur. Alors, ne pas confondre Fa dièse majeur et Fa majeur, ça n'a rien à voir. Il y en a, c'est un, vous ne pouvez pas mettre deux fois dans la gamme majeure. Tout est différent. Hein. Tout est différent. Que ce soit les tons bémolisés ou tons diésés, c'est différent. Quand on dira, par exemple, si, après le Fa majeur, c'est le Si, mais c'est pas un Si parce que le Si majeur, il est déjà repris. Voilà, au ton diésé. Ici, c'est Si bémol majeur. Alors, pour le suivant, ce qui était vu, c'est Mi et non pas Mi, parce que Mi, c'est un ton diésé, c'est Mi bémol majeur. Par après s'ensuit le la bémol majeur. Alors je rappelle que Fa majeur c'est un bémol. Hein. Et le Do majeur c'est zéro bémol. Donc Fa majeur c'est un bémol. Si bémol majeur, 2 bémol, mi bémol majeur, 3 bémol, la bémol majeur, 4 bémol, ré bémol majeur, 5 bémol. Et justement, maintenant, je vais voir, c'est celui que je vais voir, c'est le suivant. Il m'en reste deux à voir. Alors, pour vous les dire, c'est sol bémol. Et le Do bémol. Do bémol, c'est 7 bémol. Hein. Bon, ici, je vais voir avec Si bémol. Donc, c'est celui-ci que je vais voir. Alors, ce que vous devez retenir, bien sûr, en ton diésé, c'est Fa do sol ré la mi si. Fa do sol ré la mi si. Ah, c'est l'ordre des dièses dans l'armure. Vous déplacez celui-ci. Par rapport au sol, vous mettez Fa dièse, Do dièse. Ceux qui ont été déplacés, c'est une manière mnémotechnique d'avoir ce que vous avez ici. Sol, Ré, La, Mi, Si. Maintenant, pour les tons bémolisés,
vous devez retenir toujours fa, do, sol, ré, la, mi, si, mais cette fois-ci, c'est le fa qui va être déplacé. Et tout le restant est bémolisé, sauf le fa, sauf celui qui a été déplacé. On va dire ça comme ça. Et là, je me suis trompé dans ma manière de faire. C'est le restant qui va être déplacé. Ce qui est déplacé va être bémolisé. Voilà. Si je déplace. On va déplacer ceci vers la gauche. Non, c'est pas comme ça. Celui-ci, vous devez l'inverser. Fa, si, mi, la, ré, sol, do. Vous devez le parcourir dans ce sens-là. En fait, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. La manière mnémotechnique, c'est ça. C'est fa, do, sol qu'il faut inverser. De inverser fa, do, sol, ré, la, mi, si. Voilà, ça donne si, mi, la, ré, sol, do, fa. Et le seul que vous allez déplacer là-dedans, c'est le fa. Déplacer le fa comme ceci, et tout le restant est bémolisé. Voilà, c'est ça le truc. L'astuce, c'est ça. Voilà, et ça, c'est une manière mnémotechnique, il faut la connaître par cœur. Voilà. Et là, maintenant, en faisant ça, vous avez l'écriture qui est là. Voilà, donc ce que j'ai dit, j'allais faire le. Je vais m'occuper de si bémol. Donc c'est sol bémol. Alors, pour reconnaître sol, sol, si, si, sol. Voilà, sol que ça commence par S. Et si ça commence par S, donc vous retenez comme ça vous savez que sol il y a bémol, directement il y a si bémol. Ou sinon vous retenez fa si mi la ré sol do. Hein. Voilà, fa si mi la ré sol do. Vous retenez ça. Autant 1, hein, vous allez retenir sol ré la mi si fa do. Sol, ré, la, mi, si, fa, do, et l'autre, fa, si, mi, la, ré, sol, do. Ou sinon, vous faites la petite astuce que j'ai fait. Voilà, vous avez trouvé. Alors, ceci étant dit, bon, on va s'occuper de. Donc, alors, à l'armure, l'armure à la clé, on a si bémol. Donc, je pars de l'armure à la clé. Et je vais trouver la tonalité. Alors l'autre fois, dans certaines vidéos, je me suis trompé. Hein, de ce que j'ai fait, bon, vous aurez compris que c'était, je veux dire, ce que j'ai remis ça ici pour passer. Parce que quand on passe de l'armure à la clé à la tonalité, le cheminement inverse, c'est de la tonalité à l'armure à la clé. Je ne dois pas inverser l'armure à la clé. Sinon, on revient au même point. Hein. Vous avez compris qu'on revient au même point. Si je fais ça, vous aurez compris que je reviens au même point. J'ai fait ça dans quelques vidéos, mais j'ai fait ça dans 3-4 vidéos, mais j'ai mis en remarque que je veux dire il faut pas bouger. Bon, si je fais ça, je reviens au même point. Hein. Voilà. Je me suis trompé dans 3 vidéos, mais je l'ai mis en remarque en erratum, donc c'est pas un problème. Mais en vérité, c'est pas ça qu'il faut faire. Puisque de l'armure à la clé à tonalité. C'est fait, c'est ce qui est au-dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas ça. C'est toujours
L'armure à la clé ici, et la tonalité, elle est toujours ici. Pas se tromper, parce que c'est pas parce que c'est par copie, je me suis trompé par une copie. J'ai mal recopié au mauvais, j'ai recopié au mauvais endroit, tout simplement. Bon, ceci étant dit, bon, là on va passer de l'armure à la clé, à la tonalité, alors qu'ici on va passer de la tonalité à l'armure à la clé. Alors comment fait-on ça? Bon, tout d'abord, le premier cheminement, on sait bien que l'armure à la clé, il y a si bémol. Il y a si bémol. Alors on a, si on en a 6, à l'armure à la clé, on le voit tout de suite, c'est si, mi, la, ré, sol, do. Donc on a si, si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol et do bémol. Bien, comment trouver la tonalité? Je prends le dernier, je fais plus une quinte. Alors, do, ré, mi, fa, sol, on retombe en sol. Donc, ce sera sol bémol. Alors, pourquoi sol bémol? Parce qu'il est repris. Sol bémol est déjà à l'armure à la clé. Hein. Il est bémol, le sol est bémolisé. Donc, c'est pas sol, c'est sol bémol. Alors, maintenant, le contraire, on va partir de sol bémol. Eh bien, si je retire une quinte, ben, on va retomber sur do bémol. Et puis vous retirez des quartes. Hein. Vous retirez des quartes à chaque fois. Alors si je retire une quarte à retirer, hein, c'est pas ajouter. Donc do, si, la, sol, j'ai retiré une quarte. Sol, fa, mi, ré, j'ai retiré une quarte. Je retire encore une quarte. Ré, do, si. Là, je retire une quarte à partir de là. La, sol, fa, mi. Et enfin, mi, ré, do, si. Et bien sûr, c'est tout des bémols. Donc vous voyez qu'on enlève à chaque fois une quarte. Alors maintenant, je peux créer ma clé de sol, enfin la gamme de sol majeur, mineur, enfin majeur, la gamme de au ton bémolisé, la gamme majeure. De toute façon, je vais l'écrire dans sa petite accent, c'est pas un problème. Find new piano, ok. Alors, on va mettre un texte. Insert texte gamme de sol bémol majeur alors on va chercher K 6 bémol 1 2 3 4 5 6 voilà je refais la même chose avec les fa. K, c'est G bémol. G bémol. Donc Sol c'est G. Hein. Sol c'est G. Do c'est C. Sol c'est G. Ré, D c'est Ré. A c'est La. C'est Mi. B c'est Si. Et F, bien sûr, c'est Fa, mais F dièse, c'est Fa dièse. Et C, c'est Do, et C dièse, c'est Do dièse. Donc, et si je dis F, c'est Fa. Si je dis B, c'est Si, mais Si bémol, hein, voilà, c'est B bémol. Alors là, on a E bémol, c'est Mi bémol. Ensuite, on a A bémol, c'est La bémol. D bémol. C'est Ré bémol, et maintenant je fais le G bémol, c'est-à-dire c'est le Sol,
bémol. Sol bémol. Voilà. Et après, il restera bien sûr le do bémol. Bon, dès que je tape le cas, je mets 6. Et là, je tape à partir du sol, je vais faire avec des noirs. Donc regardez, le piano, il est au-dessus. Hein. Donc vous voyez que je suis pas au bon endroit. Un instant. Alors, je disais, il faut aller voir le piano dessus. Regarde le piano. Je descends avec la flèche. C'est la touche avec une flèche bas. Pour descendre les notes. En fait, je descends par rapport aux portées. Hein. Quand je descends, c'est descendre par rapport aux portées. Donc, en même temps, je vais au piano. Ça fonctionne sur le du piano. Alors, on va regarder le sol. Attention que c'est un sol bémol. Donc, là, on a le sol bémol. Bon. On peut commencer ici. Sol. Attention que c'est la bémol. Hein. Tout était sol là. Si bémol. Ici, il n'y en a qu'un seul qui n'est pas bémolisé. Vous aurez compris que c'est le fa. Le seul qui n'est pas bémolisé, c'est le fa ici. Donc, en fait, toutes les notes que je suis en train de mettre, elles sont bémol jusqu'au moment où je le dirai. Voilà, tout ça, c'est bémolisé. Mais celui-ci, il n'est pas bémolisé. Fa. Donc j'ai la première note, bien sûr, c'est sol, la suivante c'est la, si, do, ré, bien sûr tout ça c'est en bémol, mi. Alors le seul qui n'est pas en bémol c'est le fa. Voilà. Fa. Alors les touches blanches qu'on va utiliser c'est le fa. Attention que ça c'est. Le mi bémol, donc toutes les touches sont des petites touches noires, sauf le fa. Regardez bien, je vais commencer ici. Vous allez voir que c'est toutes des touches noires, sauf le fa. Alors, on va jouer ça. Oui, attention qu'ici, il y en a une que j'ai vue. Donc il y en a une qui le do bémol c'est un si. Le do bémol c'est une touche blanche. Ouais, donc ici à droite deux touches blanches. Ce sera vous allez taper sur le si et le fa qui sont deux touches blanches. Le si c'est le do bémol et le fa ben, c'est le fa parce que le fa n'est pas bémolisé. Par contre le do bémol, et le do il est bémolisé, mais ça on va retomber sur le si. À un demi-ton plus bas. C'est-à-dire on va retomber sur une touche blanche. Donc il y a deux touches blanches. Ici il y a deux touches blanches. Et tout le restant sont des petites touches noires. Bon, donc ici, on va remonter, je remonte encore un peu plus haut. Je suis arrivé à ré, mi. Bien sûr, ré, di, bémol, mi bémol. Le fa. Et je retombe sur le sol. Et ensuite je redescends. Donc là j'ai la gamme de sol bémol majeur. Alors ici je vais rechercher à partir d'ici. Ça c'est le sol. La, si, en clé de fa. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et le dernier, sol. Maintenant, je redescends. Je
Alors ça c'est le fa, mi, ré, do, si, la, et enfin sol. Et là vous avez la gamme de sol bémol majeur. Alors bien sûr, je peux mettre insert time signature. Insert time signature. Alors, avec la tabulation, je divise par 4. Donc ici, on a 4-4. Bon, une pulsation, c'est un temps. Et le temps ici, un temps, c'est la noire. Fais pareil pour la clé de fa. Et bien sûr, je vais mettre une blanche qui mesure 4 temps pour la dernière note. Une ronde, je mettrai une ronde. Une ronde. Pas, parce qu'une blanche, c'est deux temps. Hein. Voilà, je vais mettre une ronde. C'est pas une blanche, c'est une ronde. Je vais mettre une ronde, c'est ça que je vais dire, pas une blanche. Je mets une ronde et une ronde. Voilà. Là, on a. C'est une mesure à 4 temps. La ronde est une mesure en 4 temps. Et la blanche est une mesure en 2 temps. Donc si je mets du 2 temps, il faut que je complète par voilà, une figure de silence de 2 temps. Voilà. Mais si je ne mets pas de figure de silence, parce que on a 4 temps complets. Alors je vais faire une répétition. Bar line decorated. Close. Local repeat close. On va répéter deux fois. Insert. Bar line decorated. Et voilà, en tout. Là maintenant je peux la jouer. Que je voulais faire, c'est parce que j'ai laissé jouer pour écouter, mais la remarque que je voulais vous dire, il faut regarder le piano, c'est le piano dessus qu'il faut regarder, les notes où elles sont tapées. Une fois que vous avez regardé bon, la structure voilà, des notes sur les deux portées, clé de sol et en clé de fa, ben, il faut regarder le piano, parce que c'est le piano qu'il faut regarder où c'est joué, pour celui qui s'intéresse au piano, bien sûr, à l'instrument du piano, parce que j'ai mis l'instrument du piano. Donc ce qui est intéressant ici, c'est. Oui, c'est le but, c'est le solfège, bon, c'est voilà, la lecture de notes, mais c'est surtout, voilà, regarder le piano, parce que j'ai mis l'instrument du piano ici. Donc je vais rejouer, regarder le piano, qu'est-ce que ça a donné, lesquelles notes qui sont jouées. Merci.